Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce dimanche matin pour une émission que nous avons souhaité consacrer aux édits de l'empereur Ashoka, un empereur indien qui régna au milieu du 3e siècle avant notre ère. Celui-ci a laissé un certain nombre d'inscriptions. Il s'agit de proclamations valables pour tout l'Empire qui témoignent de la préoccupation constante de la part du souverain d'expliquer sa politique. Alors sur quel support ont-ils été rédigés? Quel a été leur rôle et sur quel sujet portaient-ils? C'est ce que je vous propose de voir avec notre invité, Dominique Trottignon. Dominique Trottignon, bonjour. Bonjour. Alors vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition Theravada depuis 35 ans. Mmh. Vous êtes également le directeur de l'IEB, l'Institut d'études bouddhiques. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, concernant ces édits, est-ce que vous pourriez nous rappeler qui est l'empereur Ashoka? L'empereur Ashoka est le premier et le seul souverain indien à avoir réussi à réunir sous une seule autorité la quasi-intégralité du continent indien. Après lui, l'empire va s'effondrer et il n'y aura qu'avec la colonisation anglaise qu'on retrouvera une unité du territoire indien. Donc c'est vraiment un personnage capital dans l'histoire de l'Inde. Et à l'heure actuelle, dans le drapeau indien qu'on a aujourd'hui, les fondateurs, les pères fondateurs de la République moderne ont souhaité rendre hommage à ce souverain en présentant au centre du drapeau un chapiteau d'une colonne d'Ashoka sur lequel il y avait un édit gravé justement en souvenir de ce monarque exceptionnel dans l'histoire de l'Inde. Alors on dit souvent qu'il y a une grande différence entre ce que l'on dit d'Ashoka dans la légende et dans les faits historiques. Alors où est la vérité en quelque sorte? Alors la vérité elle est forcément du côté des témoignages qu'il nous a laissés lui-même. La tradition bouddhique donne une image extrêmement légendaire d'Ashoka dans ses textes. Il en fait le parangon un petit peu du roi bouddhiste, mais en fait un roi qui est soumis à la communauté bouddhique, soumis aux moines bouddhistes, et qui leur obéit en tout. Les édits d'Ashoka, au contraire, nous montrent un souverain qui est beaucoup plus autoritaire, qui est beaucoup plus sûr de sa fonction et de ses capacités à régner, et qui se montre parfois même intrusif dans l'histoire de la communauté bouddhiste. Ce qui fait qu'on a deux images presque à l'opposé l'une de l'autre, entre celle qui nous a été transmise par la légende et celle qui nous est révélée par ces édits. Alors revenons justement plus précisément à ces édits. Alors comment est-ce qu'on pourrait définir un édit? De quoi s'agit-il? Un édit, c'est un texte, une proclamation en fait, puisque c'est toujours présenté comme les paroles du roi qui déclare. Et ces édits sont répartis sur la quasi-totalité de son territoire. On en trouve même quelques-uns en 8 exemplaires. Qui sont rédigés d'ailleurs parfois dans les langues régionales, de façon à être connus de toutes les personnes qui sont susceptibles de les lire. Et grâce à ces inscriptions, qui doivent être gravées justement pour qu'elles durent, ce roi veut faire comprendre comment il veut agir, comment il entend commander son royaume et diffuser ce qu'il appelle la loi, le dharma. Mais sur quel support est-ce qu'on les a retrouvés, ces édits? En gros, deux types de supports, des rochers, des grands rochers qui se trouvent dans la campagne ou à proximité des villes, ou alors des colonnes, de grandes colonnes qui servaient pour honorer un personnage, pour honorer un lieu sur lequel il a fait graver. Donc soit des colonnes qu'il a lui-même érigées, soit des colonnes qui lui étaient préexistantes et qu'il utilise comme support. En gros, on a à peu près une quinzaine d'édits qui se trouvent écrits sur rochers et à peu près autant qui se trouvent écrits sur des colonnes. Mais quand est-ce qu'on les a découverts et comment est-ce qu'on les a déchiffrés, ces édits? Alors, ces édits ont été découverts au moment de l'occupation coloniale anglaise, dans le début du 19e siècle, dans les alentours de 1830. Et ça a été un événement historique important pour nous, puisque jusque-là, Ashoka, on ne le connaissait que par la légende bouddhique. Et donc, ces édits ont été déchiffrés petit à petit, quand on a réussi à comprendre cette écriture, enfin, ces écritures, puisqu'il y en a plusieurs, notamment grâce à un édit qui se trouvait placé dans une zone tout à fait périphérique de l'Empire, à proximité des royaumes grec qui avait été fondé et occupé par les descendants d'Alexandre, parce que un de ces édits est écrit à la fois dans une langue indienne et en grec. Et il y en a même un autre en araméen, la langue du Proche-Orient. Donc c'est un peu comme la pierre de Rosette, ça a permis de déchiffrer plus facilement les différents autres édits dans multiples langues de l'Inde ancienne. Et donc effectivement, ces édits étaient destinés à l'ensemble de la population. Alors, il y a des édits qui sont destinés à toute la population, il y en a d'autres qui s'adressent plus particulièrement à une sorte de fonctionnaire, un corps de fonctionnaires que Ashoka a créé, qu'il appelle les surintendants de la loi, qui sont un peu ses envoyés, ses missionnaires, pour faire appliquer sa loi dans tout son royaume.
Alors revenons un peu plus précisément sur le rôle de ces édits. Apparemment, ils avaient deux missions, donc c'était à la fois montrer l'exemplarité du roi, c'est ça, et donc bah, propager sa loi. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? En fait, une des particularités d'Ashoka, surtout à partir du moment où il se convertit au bouddhisme, parce que c'est un roi qui au départ correspond au prototype du roi indien qui règne par la violence, c'est comme ça que le conçoit la civilisation indienne, et après un massacre particulièrement énorme lors de la conquête d'une certaine province qu'on appelle le Kalinga, il est pris de remords. Et du coup, il se convertit au bouddhisme et il veut devenir un propagateur de la loi bouddhique. Et ces édits permettent de voir comment il veut instaurer la loi bouddhique comme un peu une loi générale de gouvernement et en même temps comment il cherche à convertir, si je puis dire, par l'exemple. Il y a un édit dans lequel il dit expressément « la loi peut être diffusée par des lois prescriptives ou par l'exhortation et l'exemple ». Eh bien, on voit, dit-il, que dans les faits, ce n'est pas la coercition qui fonctionne, c'est l'exhortation et l'exemple qui fonctionnent. Et donc ces édits ont le rôle de montrer aussi, voilà, moi, Ashoka, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, faites comme moi, parce que c'est comme ça, selon son expression, qu'on gagne dans ce monde-ci et dans l'autre. Mmh. Mais alors le mot dharma, vous dites qu'il est employé de manière un peu ambiguë dans ces édits. On ne sait pas vraiment à quoi ça renvoie, c'est ça? Alors le mot dharma dans la culture indienne sert en fait à tous les courants religieux pour désigner la loi, l'ordre des choses, l'ordre cosmique. Et on ne sait pas toujours effectivement dans les édits d'Ashoka s'il concerne uniquement le dharma bouddhique ou si ça concerne une sorte de principe d'éthique universelle, on dirait aujourd'hui. Mmh. Quelque chose qui serait le socle commun, en fait, à toutes les religions et qui devrait être utilisé, mettre en œuvre par tous les hommes, quelle que soit leur religion. Parce que quand il l'a défini dans plusieurs édits, généralement c'est le respect de tous les êtres vivants, qu'il s'agisse d'êtres humains ou d'animaux, c'est le respect vis-à-vis de ses aînés, de ses parents, de ses maîtres, la charité, le don que l'on effectue à tous ceux qui en ont besoin, donc les ascètes, mais aussi les mendiants, les vieillards qui sont dans la nécessité, la tolérance aussi et la magnanimité vis-à-vis des prisonniers, des voleurs, de ceux qui ont fauté. Donc c'est toute une série d'ordres finalement qui peuvent être appliqués à toutes les religions et qu'ils présentent souvent comme un socle commun à toutes les religions. Mmh. Alors revenons aux thèmes qui sont abordés par ces édits. De manière générale, de quoi nous parle-t-il Ashoka dans ces édits? Alors il y a des édits qui sont très personnels. Mmh. Par exemple, cet édit qui est très émouvant où il évoque la conquête du Kalinga et les remords qu'il a ensuite en disant « j'ai tué plusieurs centaines de milliers de personnes et même au-delà de ces morts, cette guerre a provoqué la souffrance de tous ceux qui ne sont pas tués mais qui ont eu des personnes dans leur famille qui ont été tuées et ça a bouleversé toute la société. Donc aujourd'hui, je veux régner par la paix ». D'autres exemples aussi, quand il va en pèlerinage sur le lieu de naissance du Bouddha ou sur le lieu de l'éveil du Bouddha. Donc il nous laisse une trace en disant, ben voilà, je suis venu telle année de mon règne pour rendre hommage au Bouddha et de ce fait, j'ai exempté le village des impôts, etc. Après, vous avez un certain nombre d'édits qui s'adressent donc à ces fonctionnaires en leur rappelant qu'ils considèrent ces peuples comme ses enfants et que ces surintendants doivent être comme des nourrices. Il doit avoir confiance dans ses surintendants et les peuples doivent avoir confiance dans ses surintendants. Il leur délègue le pouvoir de justice. Il faut qu'ils travaillent de façon à avoir l'esprit libre pour donner la justice dans de bonnes conditions. Ils doivent être attentifs aux besoins du peuple. Ils doivent faire preuve de générosité, etc. Et puis, il y a des édits beaucoup plus généraux, mais souvent d'exemplarité, comme je disais tout à l'heure, où le roi incite son peuple à faire comme lui, donc à respecter les animaux, à être généreux, à être respectueux. Alors effectivement, il y a deux thèmes qui sont très présents, c'est les animaux et la tolérance religieuse. Alors est-ce qu'on pourrait revenir sur chacun de ces deux thèmes et si vous pouviez nous citer un extrait de ces édits, ce serait formidable. Alors en ce qui concerne les animaux, c'est vrai qu'on aime cet aspect d'Ashoka aujourd'hui. Il faut peut-être le tempérer un petit peu parce que selon les édits, en fait, on se rend compte que Ashoka n'est pas un végétarien convaincu, même s'il souhaite que les animaux soient protégés. Donc il y a un premier édit très bref dans lequel il dit qu'il interdit aux brahmanes de procéder à des sacrifices d'animaux et il dit que lui-même, dans sa cuisine, on avait pour habitude de tuer deux paons et une gazelle et qu'à partir de dorénavant, les paons ne sont plus tués et que désormais, même la gazelle ne le sera plus.
Et on a dit, bon, bah, cet homme ne veut pas qu'on tue des animaux. Et dans un autre édit qui est beaucoup plus développé, je pourrais à ce moment-là vous le citer un petit peu plus en longueur, il précise que 26 ans après mon sacre, j'ai interdit le meurtre de ces animaux. Et suit une série, donc je ne vous la donne pas parce que c'est un petit peu long, de 25-30 animaux dont on se rend compte que ce sont tous des animaux sauvages. Et puis ensuite il précise, les chèvres, les brebis ou les truies, lorsqu'elles sont pleines ou qu'elles allaitent, ne doivent pas être tuées, ni non plus leurs petits, jusqu'à 6 mois. Il est défendu de châtrer les coqs. Il est défendu de mettre le feu aux balles de grains qui peuvent contenir des êtres vivants, de même de mettre le feu à un bois sans raison ou pour nuire. Enfin, il est défendu de nourrir l'animal avec l'animal. Donc ça, après la crise de la vache folle, pour nous, ça nous parle. Mais on se rend compte en fait que voilà, la protection pour les animaux, c'est vis-à-vis des animaux sauvages. Mmh. Et pour les animaux domestiques, il n'interdit pas la consommation, mais il restreint les moments d'abattage ou les âges d'abattage. Après, il y a d'autres explications à certaines fêtes, par exemple. Hein. Mais en plus de ça, à côté de cela, il va dire aussi dans plusieurs édits, pour le bonheur et pour le bien des animaux, j'ai fait en sorte qu'il y ait des abreuvoirs de façon régulière au bord des routes. Il a fait planter des vergers, il a fait planter des bosquets pour que les animaux puissent avoir de l'ombre pendant les voyages, etc. Il a fait aussi distribuer et planter des plantes médicinales, aussi bien pour les hommes que pour les animaux. Et on voit toute une série comme ça de mesures, d'accompagnement, de soins, de prise en compte de la vie, aussi bien pour les hommes que pour les animaux, ce qui est assez extraordinaire quand même pour cette époque. Bien sûr. Et alors, que nous dit-il sur la tolérance religieuse ? Alors, pour la tolérance religieuse, c'est un peu aussi une habitude de la royauté indienne que de ne pas privilégier une religion par-dessus les autres. Mais Ashoka, là aussi, a promulgué un édit qui est très intéressant dans sa formulation, puisqu'il va dire, en gros, lorsque l'on fait la promotion de sa propre religion, on a l'impression de lui faire du bien. Mmh. Et finalement, c'est le contraire, on lui fait du mal. Et la première règle que chacun devrait appliquer, c'est de dire du bien autant de sa propre religion que des autres, voire même plus des autres religions, parce que dans ce cas-là, on grandit sa propre religion en même temps qu'on rend service aux autres. Et alors, dans l'idéal, il faudrait que tous ceux qui pratiquent dans toutes les religions s'enseignent les uns aux autres, pour que ça serve le progrès de tout le monde. Alors justement, et pour rester sur cette question de religion, d'une phrase, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, est-ce qu'il existe des édits strictement bouddhiques quand même ? Alors il y a quelques édits, mais ils sont assez peu nombreux effectivement, où le roi s'adresse à la communauté des bhikkhus, des moines bouddhistes. Il y en a un qui est très célèbre, où il déclare que si quelqu'un fait un problème au sein de la communauté, il va l'exclure et le rendre à l'état laïque. Il y en a un autre aussi qui est intéressant parce qu'il donne des indications sur des textes du canon bouddhique qu'il souhaite que les moines et les laïcs lisent régulièrement. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Dominique Trottignon, pour tous ces éclaircissements. Merci. Pour aller plus loin, voici quelques ouvrages. Les édits de l'empereur Ashoka et les philosophies contemporaines de l'Inde, de Parahuara Chandaratana aux éditions Aquarius. Vous y retrouverez une analyse critique des sources, des différents thèmes abordés par les édits, ainsi qu'un panorama complet des religions indiennes et de la pensée philosophique de l'époque. Les inscriptions d'Ashoka, traduites et commentées par Jules Bloch, publiées aux éditions Belles Lettres. Royauté bouddhique, de Robert Linga aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Et enfin, le numéro 5 des cahiers bouddhiques de l'Institut d'études bouddhiques. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.